Salut à tous, bienvenue sur Culture Gaming. On se retrouve sur une nouvelle vidéo Dead by Daylight qui n'était pas prévue à la base, puisque j'avais prévu de faire une vidéo découverte sur la dernière exclusivité Xbox Blair Witch, mais malheureusement je me suis rendu compte qu'à l'heure où je fais cette vidéo, il sortait que ce soir en démat, je ne sais pas pourquoi. Et vu que j'avais envie de faire une vidéo, allez hop, je me suis dit on fonce sur Dead by Daylight et puis on va se faire, je pense, une petite vidéo survivant, enfin une partie survivant et une partie tueur. Une vidéo assez courte à mon avis, parce que j'avais envie de faire une vidéo et puis allez hop, on y va. Et on est parti sur Haddonfield avec Kate. J'ai pris une trousse de soins parce que je suis pas en vocal, donc du coup c'est un peu plus safe. Et j'ai changé une perque, j'ai mis course effrénée. C'est très rare que je m'en serve de cette perque, donc du coup je vais tenter un peu de la garder sous le coude, donc je vais éviter de courir pour rien. Oh, c'est un piégeur. Super. Je déteste les piégeurs. Je déteste beaucoup de tueurs en fait quand je suis survivant, hein, mais piégeurs. Si il prépare bien sa map, s'il trappe bien partout, c'est compliqué. Ah, et il a la perque de l'épidémie qui bloque les gènes. Bon. Ça s'annonce fun. Bon, un totem. J'espère que c'est pas terrain hanté, je sais pas s'il y a ruine. Il y a déjà quelqu'un au sol. Non, du coup, il a peut-être pas eu le temps de trop piéger s'il est tombé rapidement sur quelqu'un. C'était ruine. Parfait. Ou mangeur d'espoir, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était pas terrain hanté. Ça, c'est cool. On va aller laisser décrocher les autres. Hein. Peut-être qu'ils sont en vocal, ce sera plus facile pour eux. Moi, je vais chercher un gène. Hop. J'ai bien fait de me cacher. J'ai bien fait de me cacher, de pas attaquer le générateur. Ah là là. Allez. Allez, décrocher les autres avec sans être en vocal, c'est très compliqué avec lui parce que les autres peuvent pas dire du coup il a piégé devant, derrière. Ça va être complexe. Bon, il a déjà accroché deux personnes, il n'y a pas de gêne de terminer. Bon, au moins Rune est parti, c'est déjà une bonne chose. Faut quand même essayer de terminer mon gêne avant d'aller aider les autres. Il faudrait quand même faire un gêne. Ah là 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 là! Mon dieu! Ah, il a réussi à se libérer. Ok, c'est libéré. Avant la P2. Voilà, ça va. Ça va, j'ai eu peur. On va éviter de passer par les fenêtres en attendant. Sauf quand on n'aura pas le choix, évidemment, qu'on sera en poursuite. Mais là, pour l'instant. Ah là là, ça tombe trop, il n'y a pas de gène de fée à part le mien. Allez, ça fait deux totems. Est-ce qu'il y a un piège ici? Non. Ah, puis là, ici, il a pu piéger partout. Où il est? Il campe? Non! Mais je l'ai pas vu! On se barre, tant pis. Il est sur moi. Hein ?
Oh mais tout le monde prend les pièges. Il n'y a pas de palette, je vais mourir s'il y a une palette là-bas. Allez, libérez-vous les gens, en attendant, je le tiens un petit peu. Non ! Non ! Le banc. Le banc. Mais non ! Je me suis bloqué par le banc. Il n'y a pas de gêne de fait, mais c'est incroyable. Allez, il va derrière moi. Il y a deux là. Le troisième, je ne le vois pas. Si, au fond, si. Ok, il y a quelqu'un sur un gène, je crois. Et encore, je suis pas sûr. Par où tu vas, toi? Tu fais des détours? Eh oui, bah trop tard, le revoilà. Qu'est-ce que tu fais? Oh, mais non. Mais non. Oh, mais non. Tu vas tomber. Mais viens, toi! Ok. Vous sentez le gars qui fait un gène, qui tient un tout petit peu le tueur, même s'il a déjà pris un piège, et puis que derrière les autres font rien. Bon, ils font du gène, certes. Mais il y a quelqu'un en chaise et personne ne vient m'aider. Bon, je vais essayer de me libérer, tant pis. Ça n'a pas marché. On va appuyer sur X. Allez! Allez, les gens! C'est pas vrai, c'est un cauchemar. Il n'y a pas un qui bouge. Merci pour rien. Merci pour rien. Oh mais cette blague, dépêche-toi. Dépêche-toi. Allez. Mais qu'est-ce que tu fais, monsieur? Mais c'est une blague. Waouh, mais il est fou ce type. Allez, soigne-moi. Ok, tu veux pas, abruti. Monsieur Dwight, vous êtes un abruti. Mon Dieu. Bon, du coup, on va essayer de libérer. Je crois que c'est la pauvre Claudette qui est venue, qui a tenté de me libérer au début que j'étais accroché. Ah bah c'est bon, c'est libéré. Ok. Oh là là, mon Dieu. Est-ce qu'il m'a vu? C'est possible. Non. Ok, il prend un piège. Il remet un piège à la palette. Ok, donc cette palette-là, faut pas la prendre. Ah mais Claudette, qu'est-ce que tu fais? Non! Tu veux pas que je te soigne? Allez! J'espère que le Dwight fait un gène. Ce qui n'a pas l'air, d'être le cas. On va aller faire le gène dans la maison. C'est un gène solo, bon c'est pas grave. Si, ok, il y a un gène de fée. Bon, je le sens pas, hein. De toute façon, je suis déjà en P2, donc si je me fais raccrocher, je suis dead. Et mine de rien, elle a bien piégé sa map, hein. Le tueur, mais je pensais pas au début parce qu'il était rapidement sur quelqu'un, mais il y a pas mal de trappes un peu partout.
elle est loin. Je crois qu'elle est mortelle. Je crois que c'est le premier décès. Ah, ah mais... Allez vite, bah maintenant il sait où je suis, hein. Clairement. Bon, je pense pas qu'il ait mis des trappes le long de la map. Là, on pourrait faire les salles et attendre près de la porte que le dernier gène soit terminé. Vu qu'il avait mis un trap ici, on voit pas ses trappes. Il doit avoir un accessoire pour pas voir les trappes. Ouais, c'est trop dangereux, je vais pas tenter. Une caisse à outils, c'est possible? Une caisse à outils sous une table. Mais oui. Où est-ce que tu es, monsieur Trapper? Le jeune en dessous est terminé, c'est sûr. Ok. Une porte là-bas, une porte là-bas. On va aller prendre la porte du fond. Ah, j'ai envie de courir, mais j'ai envie de garder mon... J'ai peur d'être... J'ai peur de m'en vouloir après, de l'utiliser trop tôt pour aller à la porte. Et bah, du coup, si le tueur se pointe... La caisse à outils est toujours là. Hein. Ok, il est sur Dwight. Personne n'échappe à la mort. Parfait. C'est génial. Bon, allez, pas le choix. Faut trouver le totem. Moi j'ai fait deux totems, donc il reste au moins 3. Enfin minimum 3. Maximum 3. Je vais y arriver. Je crois que le ruin était... Oh là là. Oh là là, mais non. Là, il est pas là. Il est où? Elle est juste là! Elle est morte. Est-ce que lui il est mort là? Il est mort lui là-bas je crois. Hein. Par contre on va pas passer par là parce qu'il a mis des trappes. Je crois qu'il est mort le Dwight. Je ne sais plus s'il est mort le Dwight. Merde! Ah, il est là. Le tueur est là. Il m'a vu? Oui, il m'a vu. Bon, il va me faire sortir. Il va me faire sortir. Désolé, Dwighty. En même temps, tout à l'heure, t'as mis du temps à venir me chercher. Hein. Bon, c'était pas super prenant comme game. Ah, la carte que je déteste avec la harpie, le plus petit tueur du jeu. C'est génial. Je vais rien voir du tout. Et donc, vous l'aurez compris, avec la harpie en tueur. On va aller mettre des petits pièges. Bah voilà, en plus mon totem est à côté d'un gène, c'est génial. Il pouvait être pas plus mal caché, il pouvait pas être plus mal caché, hein, clairement. Allez, mets ton piège. Regardez, imaginez là, ici en poursuite. Et à chaque fois que je fais une vidéo, je le dis parce que je tombe toujours sur cette carte en tueur. Et on va mettre des pièges un peu partout, là où ça peut tourner, on va mettre un là. Un ici. Merde. Allez!
va remettre cabane tueur. Hop. Ah, toute la clé, c'est de bien piéger la carte, hein. Ah là là, ça commence bien. La petite palette qui va bien. Bon, au moins, il n'y a plus de palette cabane tueur. Bonjour, monsieur. Wow, comme je fais n'importe quoi. Pas que je perde de vue, allez où tu vas? Voilà. Toi t'es par terre. Bon allez, on va se concentrer, on va essayer de faire un peu mieux que ce qu'on a fait là jusqu'à présent. Un gène, ok. Et mon ruin est mort, hein, je l'ai dit. Ok, j'avais un crochet là, juste là. Pourquoi je vais là-bas? Ils sont un peu partout. Salut Dwight! Ah là là! Va à la cabane, c'est bien. Va à la cabane. Très bien, voilà! Voilà pourquoi il faut piéger partout. Surtout les endroits où il y a des pièges. Des pièges. Des fenêtres, des palettes. Allez! Là, on est un peu mieux. Là-bas, tant pis, on met pas de piège. On va aller chercher là-bas sur le gène. Où est-il ? Il est là. C'est elle. C'est Claudette. Elle est partie où? Elle est là-bas. Va sur un de mes pièges, s'il te plaît. Vas-y, monte, monte, c'est bien. Monte là-haut. Il n'y a plus mon piège. Bonjour. Voilà. On est plutôt bien. Oh, ça répare ici. Ah d'accord. Bon, on va ramasser, on va pas tenter le diable. Ils vont essayer de me body block. Mais non. Salut. Bon, je sais qu'il me... Il m'emmène loin pour pouvoir décrocher, hein, ça. C'était sûr. Bah oui, bah oui. Il faut que je repiège. Il faut que je repiège. Où es-tu parti, Dwight?
Je sais que tu es dans le coin. Tu es là. Vas-y, va là-bas. Allez, viens ici. Ouais, T-Bag. T-Bag, c'est bien, monsieur. C'est bien, en attendant, vous faites pas les gênes. Tiens, dégage. Ah, comme ça, vous allez tous vous soigner. Où est-il? Ah mais il est où? Il est là. Merci le piège. Ah! Salut! Ah, drôlement dur. C'est pas vrai! J'ai vraiment pas de chance. Toi, tu vas aller à la cave. Toi, tu vas aller à la cave, ça m'arrange parce que je vais piéger partout. Je vais piéger partout. Allez, 1, 2, 3. 4 5 à la fenêtre. Et voilà. On va aller au gène là-bas. Salut Claudette. What? C'est qui ça? Le Dwight, il a été soigné, ok, donc je veux savoir, je peux focus, je peux me permettre de focus. Et j'ai perdu tout le monde. Et je ne sais pas où il est parti. Il est là. Ah, je pensais qu'il n'y avait plus de palettes ici, c'est pas vrai. J'en ai pété 12 des palettes. Et il y en a encore. Ah, je marche à l'aveugle, hein. J'essaie de suivre les traces de sang. Il y a du monde ici. Ah mais t'es blessé toi. Faut que je pète les palettes, faut que je pète les palettes. Le gène là.
Mais oui. Allez, toi t'es par terre. Bah y'a accroché juste là, c'est parfait. Ils sont partis détruire mon totem. Ils sont partis détruire mon totem. Bah oui, fallait t'en aller, monsieur. Fallait t'en aller. Et toi, t'es mort aussi. Et là-bas, ça s'en va. Ok. Oh, tu peux me t-bag, mec, t'as... Les gens qui t-bag alors qu'ils sont passés à deux doigts de mourir, ils étaient tous en P2. Enfin, bref. Alors, on va en faire une deuxième en tueur parce que là, je suis pas trop content de moi. Donc, on va en faire une deuxième toujours avec la harpie. Allez, on est reparti sur Macmillan. Avec toujours cette bonne vieille harpie. Yep. Allez. Alors. On va mettre un trap ici. Hop, on va aller voir mon totem. On va mettre un trap ici. Derrière la palette. Il est toujours près d'un générateur, évidemment, ce totem là. Hein? Pourquoi faire différemment? Évidemment. Bonjour toi. Salut Meg, j'ai pas eu le temps de piéger là-bas, va pas là-bas, va de l'autre côté. Vas-y, va là-bas. Là-bas j'ai piégé, tu peux. Ah, oh, c'était joli, et j'ai mis les pièges silencieux, le petit accessoire violet que vous voyez en bas là. Donc du coup, les survivants ne savent pas quand je... Bah quand je les accroche... Quand je les accroche, non pas du tout. Ils ne savent pas quand un piège se déclenche. Je voulais l'accrocher à droite au départ, mais il y avait le totem à côté, je voulais pas qu'elle le voie. On va la mettre là. Ah, il y avait la cave ici, merde. Pas grave. C'est pas grave. Alors, le shield qui proc pas, ça veut dire qu'ils sont tous à côté. Ils ont fini un gène, ça a décroché là-bas. Bonjour! Ah, c'est pas toi que je voulais! C'est deux fois que je t'ai. Bon, allez, je te laisse au sol. Je vais pas te tunnel. J'ai quand même cassé la palette. J'avais vu une Feng Min en blanc. Où es-tu, Feng Min? Elle est là. Touché. Elle vient ici. Est-ce que j'ai piégé là-bas? Je ne sais plus. Oui, il y a un piège là-bas. Vas-y, va à droite. Parfait. Parfait. Voilà des pièges bien placés pour nos amis survivants. Et hop, on va te mettre là. Ok, ils ont aidé la petite Meg là-bas. Que je voulais pas tunnel, donc du coup c'est plutôt cool. Ah, j'aurais pu faire le sale, hein. J'aurais pu faire le gros sale. On va mettre les pièges dans ces endroits là pour l'instant, parce qu'ils sont plutôt proches de ce coin là. Vite vite mon totem. Ça a couru là-bas. Ah!
Oh, mais déjà deux gènes de terminé. Ah, ça pue. Ça pue. Salut, c'est toi que je cherchais tout à l'heure. Hein. Loupé. Allez, viens ici. Elle était au fond là-bas. Bah oui, bah oui. Allez, je perds du temps. Casse-toi, toi. Je veux bien être gentil, mais il y a des limites, hein. Allez, on va essayer de la brain par là. Eh non, elle est passée de l'autre côté. Eh oui, oui, oui. Elle est passée de l'autre côté. Logiquement, si il reste des palettes, ok. Il reste des palettes. J'étais persuadé d'avoir cassé deux gènes. Ah, ah, ça fait les gènes partout là. Atterrissage équilibré, je pense. Si elle se met là, ne tape pas, ça sert à rien. J'ai pas piégé la cabane. Ah, elle va me faire courir longtemps, elle. Cette fois-ci, c'est bon. Eh ben, tu m'as fait courir, toi. Hein. Allez, il y en avait un par là. Ouais, je l'ai vu. Non, c'était un corbeau. Merde. Oh là là. C'est caca, c'est caca. Ça va retourner au crochet, c'est sûr. Non. Même pas. J'avais piégé ici. Et vous faites quoi, les gens? Ben, je suis là. D'accord. Ok. Ok, ça fait deux. Et la troisième. Bah, elle s'est déplacée, évidemment. Où est-elle ? Elle est là. Il a pété mon totem. Ça vient d'où? J'ai pas vu. Bon là, va falloir la jouer fine, ça va être compliqué. Ouais, ça va être... Elle est en P1 aussi, ouais bon. Ça va être dur. Et là, qu'est-ce que je fais? Si je pars, forcément il va venir au crochet. Oh là là, comment voulez-vous ne pas camper? Ouais, là, c'est... Pff. C'est dur, dur, dur. Je vais pas aller à la porte. Je sais très bien qu'il est pas sorti. Je sais très bien qu'il m'attend pas devant la porte. Bon, allez, je suis parti, je reviens. Et je vais faire des allers-retours. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre?
Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mon gameplay, là je sais pas quoi faire. C'est rare que ça m'arrive ce genre de situation, là il y en a deux sur le crochet à un côté de l'autre, la porte est ouverte. Je sais que le survivant est là. Hein. Donc je lui laisse une chance, mais voilà, bah voilà, ça a décroché forcément. Ah mais non, je l'ai raté. Elle est là. Elle est là la miss. Normalement j'ai le temps de la retaper si je fais pas trop n'importe quoi. La porte est loin. Voilà. Ah bah les autres par contre ils sont partis hein. Alors, ils ont pas demandé leur reste, d'accord. Il y a un crochet là. Toi t'es en quoi? Toi t'es en P2 je crois. Oui. Et les autres ils sont où? Enfin les autres, il n'y en a plus qu'un autre hein. Est-ce qu'elle est partie à la porte? Elle s'est soignée. Je te laisse une chance de décrocher. Ouais, mais elle, je l'aurai pas. Elle, je l'aurai pas. Et puis, vas-y. Allez. Et bah, vous savez quoi? On va le faire mourir par le endgame. Regardez. Pour ceux qui ne connaissent pas. Allez. Meurs. Et je veux pas le prendre parce que s'il a coup décisif, je vais me faire avoir. Donc, je préfère le laisser mourir. Et bim, dans 4, 3, 2, 1, t'es mort. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Voilà, bon, on a fait 2 fois 2 kills. À la fin, j'étais un peu embêté, hein, parce que les deux étaient accrochés les uns à côté des autres. En même temps, ils ont décroché devant moi, alors c'est toujours compliqué. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant Blair Witch... En attendant Blair Witch, ça sera peut-être le titre de cette vidéo. En attendant Blair Witch, à bientôt. Bah, peut-être que Blair Witch d'ailleurs vous l'aurez vu avant cette vidéo là, parce que je la sortirai évidemment en priorité. Priorité aux nouveautés. Et puis, ben, à bientôt. Amusez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao, ciao.